Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais c'est officiel. C'est le premier anniversaire de la chaîne. La chaîne a été créée début janvier, mais la première vidéo a été publiée le 12 février, donc il y a 3 jours. Et voilà, un an sur YouTube, ça fait vraiment plaisir. Je suis franchement très content de vous faire cette vidéo. Voilà, on va voir au cours de cette vidéo un peu toutes les stats, un peu tous les chiffres et tout ça de cette chaîne, qui ont fait cette chaîne aussi. Donc ça me tient à cœur de vous faire cette vidéo parce que, voilà, sans vous, je ne serais rien. C'est vraiment très dur de monter une chaîne YouTube comme ça dans le plus grand secret parce que personne dans ma famille n'est au courant. Donc je ne peux pas avoir le soutien de mes proches. Donc franchement, merci à tous pour tout votre soutien, parce que sans soutien, on ne fait rien. Si vous ne seriez pas derrière moi à chaque vidéo, à liker, à commenter, à partager, voilà, je n'aurais pas cette motivation que j'ai à vous faire des vidéos chaque semaine. Donc un grand merci à vous. C'est vrai que le cinéma se porte bien, le YouTube cinéma se porte bien, mais voilà, c'est pas comme le YouTube gaming, les collectionneurs et tout ça, ou le YouTube humour. C'est vrai que ça a du mal à décoller. Il y a les pionniers, le Fossoyeur et Durendal, voilà, franchement, qui cassent la baraque, et je suis franchement super content pour eux. Mais c'est vrai que nous, les autres, les petits, voilà, on a du mal, parce que c'est vrai que le YouTube DVD, cinéma, tout ça n'est pas assez reconnu, je trouve. Même si la tendance s'inverse, et c'est franchement cool. Donc, j'ai ma petite feuille, voilà, avec toutes les stats que j'ai reprises sur mon ordi. Voilà, je vais tout vous dire et on va commenter ça ensemble. Alors, j'ai 168 abonnés. Donc, 168 abonnés, c'est franchement cool. Alors, je ne sais pas quand vous verrez cette vidéo s'il y a toujours 168 abonnés, s'il y en a plus, s'il y en a moins. On verra bien. Il y a plus de 8900 vues. Alors, c'est franchement un chiffre phénoménal. Il y a plus de 8900 vues sur cette chaîne. C'est franchement super cool. Parce que pour des vidéos d'achat, des vidéos de review et tout ça, écoutez un mec qui s'y connaît un petit peu, mais voilà, qui s'y connaît comme tout le monde, comme monsieur tout le monde. Voilà, j'ai pas la prétention d'avoir fait une école de cinéma, de m'y connaître énormément dans la matière. Mais voilà, franchement, merci pour ces 8900 vues, c'est un chiffre énormissime. Près de 29 000 minutes regardées, c'est un chiffre ahurissant. Franchement, encore merci de me regarder, passer votre temps à me regarder chaque semaine. Franchement, voilà, c'est un des plus beaux cadeaux que vous pouviez me faire. 260 j'aime et 78 j'aime pas. Donc, voilà, le rapport de force est pas mal, voilà, je trouve. 484 commentaires. Alors, le chiffre est un peu faussé vu que je commente vos commentaires, donc ça en rajoute. Mais bon, voilà, on va dire que ça fait à peu près un peu plus de 200-300 commentaires. Et franchement, génialissime, vous êtes des dingues. Le top 10 des vidéos les plus regardées sur la chaîne. En première place, la quatrième review sur Babysitting qui a franchement bien marché. Sinon, on retrouve aussi le Success Story numéro 1 sur les best-sellers des abdos adaptés au cinéma. Le Cinéshop 2 de mars, le Compte-rendu vide-grenier 7 après le Compte-rendu vide-grenier 4, le Compte-rendu vide-grenier 1, le Cinéshop 5, donc le Cinéshop de mai. La vidéo de présentation de ma chaîne qui sûrement sera refaite d'ici quelques semaines, quelques mois. Le compte-rendu vide-grenier numéro 8. Et enfin, en 10e position, le compte-rendu vide-grenier numéro 2. Donc, on voit vraiment que les comptes-rendus vide-grenier, ça vous plaît. Ça me plaît aussi énormément. J'ai vraiment hâte d'y revenir. Je peux à peu près vous donner la date de retour. Ça sera mi-mars, quelque chose comme ça. Alors, au niveau des régions, des pays où sont regardées mes vidéos, bon, c'est plus au niveau des adresses IP, donc c'est un peu faussé. Mais il y a la France, la Belgique, le Canada, la Suisse et le Maroc. 80% des gens à regarder mes vidéos sont des hommes, donc 18% sont des femmes. Voilà, est-ce que le rapport va s'inverser cette année ? On verra bien. Très rapidement, je vous mets d'autres stats. Donc voilà, franchement, je suis vraiment très très content de tout ça, de toute cette année partagée avec vous. Le début a été vraiment vraiment très dur, je m'exprimais mal. Parce que c'est Cinéshop, ce sera la review de mes achats de DVD. Même si vraiment, on peut pas dire que ça s'est hyper amélioré, mais voilà, c'est vraiment un exercice très difficile de parler devant la caméra, mais voilà, juste pour tout votre soutien, tous vos likes, tous vos partages, tous vos commentaires, c'est voilà, c'est la plus belle des victoires pour moi. Je vous annonce que l'année
à venir va être encore plus énorme. Je vais faire plein de nouveautés, voilà, parce qu'il faut se renouveler un peu, faut jamais rester sur ses positions. Je serai aussi plus actif, que ce soit sur mon site ou sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à me suivre, donc lachainecinema.weebly.com, mais aussi sur Twitter, donc lachainecinema, Facebook, lachainecinema, normal. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Là, je vous parlerai vraiment des films à voir en 2015 parce que j'ai vraiment hâte de vous faire cette vidéo. Donc voilà, petite vidéo pour vous remercier. Merci à tous d'être vraiment là. On se retrouve la semaine prochaine. Portez-vous bien surtout. Ciao. Days till Friday.